Bonsoir mes amis. Tous les gens qui travaillent face aux clients connaissent ce client difficile, ce client qui vient de l'enfer on dirait, qui est impossible à satisfaire, qui va gâcher la journée. Mon steak est trop cuit ou pas assez. Cette salade a un goût bizarre. Ce vin est bouchonné. Ce plat, je l'ai pas mangé, je l'ai renvoyé. Quand même, il est là dans la note finale. Alors, ce qu'on fait en général, c'est, on se dit, hein, on, se fait, on se fait une raison, on se dit que le client est roi, on cède à ses caprices et il finit par s'en aller. Après tout, il n'y a pas mort d'âme. Dans l'aviation, malheureusement, quand il y a un client de la sorte et que les pilotes cèdent à ses caprices, ça peut mal se terminer. Le 29 mars 2001, il y a un équipage qui en a fait l'expérience. Alors, nous sommes à Los Angeles. Et il y a une compagnie qui fait des vols à la demande. Elle utilise des, des jets privés. On parle ici d'un Gulfstream. Alors le Gulfstream Gulf en question appartenait à une entreprise cinématographique, à des studios de cinéma. Comme les studios on ne l'utilisaient pas tout le temps, euh, ils l'ont donné à cette entreprise qui le gérait pour eux puis qui le faisait voler pour les faire rentrer un petit peu dans leurs frais. Euh, ce jet a une longue histoire. Quand il était neuf, il avait été acheté par la présidence de Côte d'Ivoire. Ils ont volé avec un certain nombre d'années. Et puis, un jour, ils ont atterri sur une piste qui était fermée, semble-t-il, où il y avait des engins. Le pilote a voulu les éviter. Et puis, il a envoyé le jet en dehors de la piste et est tombé dans le ravin. Ils lui ont éclaté sa race, comme on dit. Normalement, ce jet aurait pu rester, rester là, à prendre la rouille, à Devenir un nid pour les insectes et pour les enfants qui viennent prélever des pièces et puis un jour la végétation aura poussé à travers comme elle a poussé à travers énormément d'avions qui rouillent aux abords de nombreuses pistes africaines. Décoller d'une piste africaine, il y a toujours un peu ce, cette appréhension qui vient de tous ces avions qui, qui sont là, qui témoignent de tragédies passées, qui vous disent que ce que vous êtes en train de faire c'est terminé très mal pour beaucoup de gens. Toujours est-il que l'avion, je disais, est au bord de la piste. Il est déjà complètement éclaté. Ils le mettent dans deux ou trois conteneurs et ils l'envoient aux États-Unis pour réparation. Les Américains le réparent, ils le remettent sur pattes, mais les Ivoiriens n'en veulent plus. Vous savez, en Occident, là où on va parler de quand il y a un accident, on parlera de CRM, on parlera d'entraînement des équipages, de coordination, de, 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 management, de ressources humaines. En Afrique, on dira, c'est l'avion qui est pas bon. Et puis, on voudra plus en entendre parler. Il a déjà été impliqué dans un crash. Il est habité par quelque chose et on veut plus le voir. C'est déjà arrivé que un président africain ait refusé D'utiliser un Boeing 767 parce que la première fois qu'il l'a pris, ils ont eu quelques ennuis, ils ont dû atterrir d'urgence. Il est descendu et il n'a plus jamais remis les pieds dans ce Boeing. Les Américains, eux, n'ont pas ce genre de superstition. Donc, ils ont pris l'avion et puis ils ont commencé à l'exploiter. Puis voilà. Ce jour, je disais, nous sommes à Los Angeles et il y a un client, un financier, un homme d'affaires, comme on dit. Qui a booké le vol à travers la compagnie de management? Il a booké le vol pour Aspen dans le Colorado. Aspen dans le Colorado, c'est une des villes les plus chères des États-Unis. C'est une station de ski. Elle est habitée à l'année par, non pas des millionnaires, mais des milliardaires. Il y a même une colline qu'on appelle la colline des milliardaires avec des maisons valant des dizaines de millions de dollars pièce. Aller à Aspen, même au mot très cher, c'est pas la portée du premier venu alors y aller en jet privé c'est pas euh, c'est pas le type de déplacement on va dire de tout le monde néanmoins l'aéroport d'Aspen est plein de jets privés toute l'année les pilotes arrivent à l'aéroport ils sont là avec leur jet mais ils trouvent pas leurs clients les clients sont au nombre de 15 l'équipage au nombre de 3 commandant de bord, copilote, hôtesse de l'air et ils attendent, il a personne qui se pointe téléphone à leur dispatcher, où sont les clients Le dispatcher commence à chercher les clients et finalement il en trouve une partie dans le parking de l'aéroport de Los Angeles. Ils étaient là, pas pressés, bon de toute façon, on a payé le vol, bon, il peut nous attendre, hein. c'est pas comme si on prenait euh, un low-cost. Ils arrivent dans l'avion et quand ils arrivent ils disent oui mais on n'est pas au complet, on doit attendre encore deux personnes. Là il y a une pression formidable qui tombe sur les épaules du commandant de bord. Alors je vous dis de quoi il s'agit. L'aéroport d'Aspen ferme au coucher du soleil. Ferme quand la nuit tombe. Et il ferme pour deux raisons. La première est une question de bruit. C'est-à-dire que les milliardaires qui vivent dans la région n'ont pas envie d'être dérangés la nuit par des jets privés donc à un moment donné ils veulent que le silence tombe sur la montagne et qu'on puisse apprécier la vie dans la paix ça c'est le premier point le deuxième point dans les jours précédents au mois, donc au mois de mars au courant du mois de mars 2001 l'afa l'administration américaine qui gère l'aviation avait fait quelques inspections à Aspen et a trouvé que l'approche n'était pas aux normes pour être utilisée la nuit. Tout simplement, il y avait des reliefs, il y avait des points assez hauts qui pouvaient représenter une gêne à la navigation, mais il ne comportait pas l'éclairage réglementaire, ces lampes rouges qu'on met souvent au des grues, des collines et tout ça, des sommets, au-dessus des antennes, pour justement offrir une référence visuelle aux pilotes pour qu'ils ne se les prennent pas au cas où. L'AFA a déclaré que personne ne doit atterrir une fois que la nuit est tombée à Aspen. Le problème, c'est qu'ils étaient vers la fin de l'après-midi à Los Angeles. Euh, et le vol avait déjà 40 minutes de retard. Le commandant de bord commençait à s'inquiéter, à se dire, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Il dira quoi Il dira aux passagers, écoutez les gars, il y a un couvre-feu sur Aspen. Ce couvre-feu, on va peut-être arriver avant, on va peut-être arriver après. Si on arrive après, on devra peut-être nous dérouter et je vous déposerai à l'aéroport de Rifle. Aspen, c'est un aéroport de montagne. Rifle aussi. Rifle, c'est à 100 km de là. Les deux villes sont séparées par une route. Néanmoins, c'est une route de montagne. C'est pas une route facilement praticable. Quand il commence à neiger... Ça peut prendre toute la nuit de faire le trajet en drive aller à Les euh, les passagers ne sont pas très contents. En particulier celui qui semble être le meneur, celui qui a payé le vol, demande à son secrétaire particulier d'aller téléphoner au dispatcher de la compagnie et puis formuler une plainte. Il va leur dire d'abord premièrement. Ce pilote doit garder ses commentaires pour lui. Il doit se contenter de piloter et se taire. On ne veut pas en entendre parler. Ça, c'est le premier point. Point numéro 2. Il leur dira l'avion n'ira nulle part ce soir qu'à Aspen. C'était pas quelqu'un qui avait l'habitude qu'on lui dise non. L'avion doit aller à Aspen et il leur dit j'ai déjà posé par le passé de nuit à Aspen et donc je n'accepterai aucune excuse. L'information est passée au pilote. Ça vient encore rajouter de la pression sur son dos et en plus le dispatcher lui dit que le client a payé une somme significative, conséquente pour une soirée qu'il prévoit à Aspen. Ça signifie lui et ses 14 invités, ce client a déjà prévu quelque chose. Ils ont déjà avancé l'argent. S'il se montre pas, s'il se pointe pas comme ça à la dernière minute, plus il peut plus annuler. Donc, le pilote se met dans la tête que, bon, il va falloir aller à Spain à tout prix. L'avion finit par décoller et au moment où il décolle, l'estimation est que son ETA, l'heure à laquelle il devait arriver selon ses plans, c'était 12 minutes avant la tombée officielle de la nuit. Ces 12 minutes, bien entendu, en vol, elles vont... Très rapidement baisser 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 puis à un moment donné quand il s'annonce sur la fréquence euh, l'aéroport est quasiment sur le point de fermer à ce moment là il y a une pression qui va arriver sur son dos encore supplémentaire en plus des passagers et tout ça et il va s'en ouvrir au copilote il va lui dire écoute on pourra faire qu'une seule tentative pour atterrir si on a de la chance on se met sur l'axe d'approche le contrôleur ne va pas, pour une minute ou deux, après la tombée de la nuit, ne va pas nous congédier, ne va pas nous dire de partir. Il nous laissera atterrir, même si on est raclette ou légèrement en retard. Par contre, si on rate l'approche, qu'on fasse une remise des gaz, il ne nous autorisera plus à revenir. Si on fait une remise des gaz, on doit aller les déposer à Rifle. laisser passagers, au lieu de se retrouver dans un palace d'Aspen, se retrouveront dans un motel de Rifle et ils mangeront de la pizza livrée en scooter. Les pilotes décident qu'il faut atterrir. Sur la fréquence, une fois qu'ils se mettent sur la fréquence de la zone terminale d'Aspen, ils entendent des choses très inquiétantes. Ils entendent à la fréquence un avion de type Challenger, un avion privé, un jet privé qui dit qu'il va remettre les gaz. L'avion s'approche, les pilotes ne voient pas la piste, et ils remettent les gaz et ils appellent le contrôleur aérien pour dire ⁇ Nous ne pouvons pas atterrir, nous repartons ⁇ La météo s'était dégradée. Alors, les pilotes vont contacter le contrôleur et lui poser une question qui montre qu'à ce stade, ils commençaient doucement à se bercer d'illusions. Ils disent au contrôleur ⁇ Est-ce que... ⁇ ce jet-là, qui vient de remettre les gaz, est-ce qu'il l'a fait réellement, par conviction, ou bien est-ce que c'était un exercice Ils sont en train de s'entraîner. Croire que par une météo pareille, quasiment à la tombée de la nuit, un jet privé fait des tours dans l'un des aéroports les plus dangereux au monde Il faut vraiment vivre dans une autre réalité. Le contrôleur, bien sûr, va tout de suite enlever la moindre illusion qu'ils entretenaient il va leur dire non. C'est une véritable remise des gaz. Les montagnes sont couvertes de nuages. Ils descendent à travers les nuages et ils savent pas trop comment ils vont faire pour poser. Donc ils vont faire quoi Ils vont faire une improvisation. Ça signifie qu'il y, y a une descente, il y a une approche de type Vor, de type Vor DME. Alors elle est un petit peu bizarre, elle est décalée de 16 degrés par rapport à la piste déjà. Elle n'est pas dans l'axe de piste, parce que si on va dans l'axe de piste tout droit, il y a une montagne très haute, donc on ne peut pas passer au-dessus de la montagne et tomber sur la piste. Donc il va falloir passer entre deux montagnes, survoler un plateau qu'on appelle la table rouge. Une fois qu'on passe la table rouge, on descend par palier, on descend, on descend, on descend. En général, les systèmes de l'appareil calculent un plan de descente qui fait que l'avion ne fait pas réellement l'escalier, mais prend un angle moyen qui le fait passer, si vous voulez. À la pointe de chaque marche de l'escalier, mais le dernier, la dernière descente vers la piste, elle se fait à un angle de 6 ,5 degrés et demi. Le plan de descente est 6 ,5 degrés et demi, donc c'est un plan de descente qui est plus que deux fois supérieur à un plan de descente normal. Sur ce plan là, les taux affichés au variomètre sont de l'ordre de 1500 pieds par minute normalement. Les pilotes s'engagent dans cette approche. Le contrôle aérien leur dit ⁇ Vous êtes en position numéro 2, il y a un autre avion devant vous ⁇ Quelque part, ils ne le voient pas, il y a un avion devant eux. Sur ce, l'hôtesse de l'air frappe dans le cockpit, sur la porte du cockpit, et leur dit ⁇ Il y a un passager qui, vient, qui veut venir prendre le siège de l'observateur ⁇ Les pilotes acceptent. Le passager arrive. C'est probablement le client. Le commandant de bord se sent un petit peu... Il est intimidé par lui. Il va lui expliquer, voilà, nous sommes dans les nuages. Euh, ça se passe un petit peu limite. Là, voilà, il le prépare un petit peu psychologiquement, juste au cas où. Le client commente, oh, il y a la neige. Il est en train de neiger. Et à un moment donné, à la fréquence, comme pour rajouter encore une couche, déjà le, le, le pilote il a énormément de pression sur son dos. En plus il y a le client qui est là assis derrière, comme si comme si ça suffisait pas tout ce qui se passe. Faut-il encore avoir ce client là Et là à la radio, l'avion qui les précède annonce qu'il remet les gaz parce qu'il ne peut pas voir la piste. Oh. Il fait quoi le commandant de bord Pousse sur le banc, je prends l'avion manuel et commence à le faire tomber à travers les nuages. Ce qu'il voulait faire, c'était passer sous, le plus rapidement possible, sous la couche nuageuse et puis surgir dessous, voir la piste aller y atterrir. Le problème, c'est que la couche nuageuse, c'est pas une science exacte. Si ça se trouve, elle va jusqu'au sommet des montagnes et qu'il n'y aura pas de sortie sous la couche nuageuse, qu'il y aura juste une sortie dans les pierres. À un moment donné, le taux de descente qu'il affiche est de 2200 pieds par minute. La contrôleuse aérienne dans sa tour, elle a un radar et elle regarde et elle voit l'avion qui passe sous l'altitude la, minimale de descente. Alors, normalement, les avions n'ont pas le droit, sur ce type d'approche, de descendre en dessous de ce qu'on appelle la MDA, l'altitude minimale de descente, si les pilotes ne voient pas la piste. La contrôleuse est surprise, elle a une alarme sur son radar, elle sait que plusieurs avions ont remis les gaz, elle, depuis les, depuis les vitres de sa tour, elle voit la météo, elle a toutes les observations devant elle, elle a vu la situation se dégrader, et là cet avion passe sous la NDA. Alors elle fait quoi Prend la radio et elle leur dit, est-ce que vous avez la piste en vue Les pilotes à ce moment-là répondent, oui, nous avons la piste en vue ils étaient en train clairement en train de la berlurer pourquoi parce que tout simplement dans ce genre d'approche quand on voit la piste on déclare piste en vue or dans le CVR dans le l'enregistreur des voix du cockpit à aucun moment les pilotes n'ont annoncé avoir la piste en vue le seul moment où ils disent qu'ils ont la piste en vue c'est quand la contrôleuse leur demande en plus il y a autre chose c'est que si on regarde, si on compare eux disant on a la piste en vue, et on compare cela au tracé radar de cet avion, il n'y avait pas de congruence, c'est à dire qu'ils disent qu'ils ont la piste en vue, mais au radar ils sont en train de s'éloigner de l'axe de la piste, alors que s'ils l'avaient en vue, le radar aurait montré qu'ils étaient en train d'aller vers la piste. Donc ils étaient un petit peu égarés. Voilà. Bon, les pilotes de toute façon ont menti à la contrôleur également, à la contrôleuse également, parce que d'un autre côté, je vous le dis tout de suite, les descentes, les descentes intempestives sous la MDA, en plein nuage, dans, dans des zones montagneuses, sont extrêmement mal vues. Ça veut dire que potentiellement, il serait arrivé quoi s'ils avaient dit on n'a pas la piste en vue Alors il dit, écoutez les gars, vous êtes en dessous de la MDA, vous n'avez pas la piste en vue, je vous donne tout de suite un guidage pour une remise des gaz. Ils auraient été obligés de remettre les gaz, avec le client là derrière. Elle aurait probablement été de sans rapport. Cette histoire aurait remonté. Elle aurait pu remonter à leur employeur. Elle aurait pu même remonter à la FAA qui aurait envoyé un jour, ils sentent petit déj, ils prennent leur porridge et soudainement se matérialisent deux gars de la FAA avec leurs cartes. On vient pour discuter. Les pilotes n'avaient pas envie que qui que ce soit sache qu'ils étaient en train de faire. Donc ils vont mentir. L'avion continue sa descente. Le copilote cherche une route, il sait qu'il y a une route qui longe l'aéroport, donc il sait que s'il trouve la route entre les montagnes, il finira par, euh, par aller, elle finira par le conduire en visuel jusqu'à l'aéroport. La carte de cet aéroport d'Aspen est absolument épouvantable, c'est une carte, elle est toute marron, elle est pleine de montagnes, de pics, de sommets. C'est une carte qui te dit, viens pour le CFIT, viens, je t'attends. L'aéroport d'Aspen est dans une sorte de boîte à chaussures. La seule sortie, la seule entrée de cette zone-là se trouve au nord-ouest, où il y a un petit, une petite ouverture, un petit passage qui permet aux avions de se faufiler. Rien que la remise des gaz est une remise des gaz absolument épouvantable, extrêmement difficile à faire avec un virage en épingle à cheveux. Les pilotes n'avaient jamais parlé de remise des gaz. Ils n'ont même pas fait de briefing de remise des gaz. Pourquoi Parce qu'ils voulaient atterrir à tout prix. C'est un petit peu sur le plan psychologique. C'est comme un détournement en fait. C'est comme un hijack. Ils ont littéralement un pirate de l'air. Ils ne pointent pas sur eux une arme, vraie ou factice. Il y a une arme psychologique. Et ils le ressentent comme ceci. À un moment donné, la contrôleuse voit quoi? Voit l'avion surgir des nuages et il est pratiquement sur la tranche. Pourquoi? Parce que quand le système GPWS commence à égrainer les altitudes, il annonce 1000 pieds, puis un peu plus tard, il annonce 700, 600, 500. Il les égraine très vite. Parce que le radio-altimètre voit le sol se rapprocher. Non seulement l'avion descend vite, mais le sol monte vers lui également. À ce moment-là, une fois que le système annonce 400 pieds, le commandant de bord, c'est comme s'il était sorti de sa torpeur. C'est comme s'il si décidait cette fois-ci de se rebeller contre cette arme psychologique qui est pointée sur lui et mettre les gaz et repartir et essayer de sauver sa peau prend les manettes des gaz, les pousse à fond, il voit la montagne devant lui, il braque complètement, il tire sur le manche, et à ce moment-là, bam Il se prend le sol, c'est trop tard. Cette correction est venue trop tard. La contrôleuse, dès qu'elle voit l'avion dans cette position, elle appuie sur le crash horn, à boutant, ça veut dire crash, les pompiers reçoivent une alarme, et elle voit une explosion s'élever dans le ciel. Les pompiers de l'aéroport d'Aspen, dans leur camion, vont foncer vers le lieu du crash, quand ils arrivent au niveau du périmètre de l'aéroport, au niveau du grillage de l'aéroport, ils s'arrêtent. Ils doivent demander l'autorisation de sortir pour aller porter secours à l'avion. Pourquoi Parce qu'ils ont eu dans le passé une prise de tête avec le shérif local qui leur a dit Écoutez, votre juridiction, c'est l'aéroport, je ne veux pas vous voir en dehors de l'aéroport. Notre juridiction à nous, c'est en dehors de l'aéroport. Il y avait un problème comme ceci. De sorte que les mecs, ils arrêtent, ils appellent. Ils doivent attendre 6 minutes pour qu'on leur donne l'autorisation d'aller secourir les gens de l'avion. Ils arrivent au niveau de l'avion il n'y a plus personne à secourir. De toute façon, il sera prouvé par la suite qu'ils euh, ne pouvaient rien faire. Les gens étaient morts à l'impact. Mais au moment où ceci est arrivé, ils ne le savaient pas. 18 morts en tout. 18 morts dans un jet privé. C'est un, un bilan digne d'un un Boeing, en fait, mes amis. 18 personnes. Le jet privé était plein un même. Tout le monde est mort. Par la suite, il y a eu des plaintes contre la compagnie aérienne qui paya 10 millions par ci, 11 millions par là, 2 millions par là. Et les plaintes disaient quoi Les plaintes visaient le pilote de la compagnie. Il disait que lui, il avait le contrôle de l'avion. Il a pris des risques. Il a pris des risques inconsidérés. Il a joué avec la vie des occupants. Il est devenu le responsable. Il est devenu... Le monstre dans l'histoire, parce qu'il n'avait pas assez de caractère pour euh, mettre au défi, pour repousser, pour challenger les exigences du client, et le remettre à sa place. Il y a eu aussi quelque chose d'autre. Il y a eu une prise de conscience sur la définition de la nuit au niveau aéronautique. Vous savez, quand le soleil se couche, quand le soleil, si on regarde, si on est, je ne sais pas moi, à Bordeaux ou à Marseille ou autre. On regarde le soleil se coucher quand il passe sous l'horizon la lumière est toujours là la nuit tombe pas tout de suite dans l'aviation qu'est ce qu'on fait on considère que la nuit commence une demi-heure après le coucher du soleil dans euh, dans l'aéronavale, on considère que la nuit c'est quand le soleil est 6 degrés quand le centre du soleil est 6 degrés sous l'horizon cette définition ne marche pas vraiment pour l'aviation. Pourquoi Parce que tout simplement, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est 6 degrés sous l'horizon. Parce qu'une fois qu'il disparaît sous l'horizon, on cesse de le voir. Donc on ne peut plus savoir s'il est 1 degré, ou 12 degrés, ou 15 degrés sous l'horizon. Donc les 6 degrés, c'est un angle qui n'est qui, qui pas visible, qui n'est pas mesurable. Alors l'aviation prend cette, euh, cette façon pratique de dire « Bon, une fois qu'il passe sous l'horizon, 30 minutes plus tard, c'est la nuit. » Oui, mais le NTSB réalise quelque chose. On réalise que cette définition n'est pas nécessairement valable en montagne. Parce que, autant sur une terre plate, effectivement, le soleil peut se coucher et on a encore une demi-heure, voire plus de lumière. Quand on est dans une ville comme Aspen au Colorado, la lambre de la montagne arrive sur la ville et arrive sur l'aéroport 1h20 avant le coucher du soleil. Ça signifie au moment où le soleil se couche, Aspen est dans le noir total. D'ailleurs, bien avant qu'il se couche, les villes qui sont dans la montagne, il fait extrêmement noir déjà. Et là, le NTSB se demande si l'industrie n'a pas erré en utilisant cette définition de manière, euh, manière peut-être universelle et inconsidérée, sans tenir compte des géographies et des topologies locales. En tout cas, voilà mes amis, c'était le 29 mars 2001, 18 morts à Aspen. Aspen qui reste un aéroport très dangereux. À Aspen, presque chaque année, il y a des, des crashs de toutes sortes. C'est un aéroport qui n'est pas pour tout le monde. C'est un aéroport qui supporte pas les approximations. C'est au moindre, il y a une, il, y a, il faut une, il faut une exigence absolue, une adhérence totale aux procédures en place et surtout essayer d'envoyer des pilotes qui ont de l'expérience avec cet aéroport, comme le font beaucoup de compagnies, alors que cette compagnie a envoyé des gens qui n'étaient pas expérimentés avec cet aéroport et qui avaient bien entendu les statistiques contre eux. Merci mes amis, puis on se voit dans une autre vidéo.